trouver? Bien sûr. On doit traverser le pont qui donne sur la tour de Vanaheim. Est-ce qu'on retourne voir le souffle noir? Ou est-ce qu'on va explorer? C'est comme tu veux. Regarde, on est déjà passé près de cette statue de Thor, après la grotte de la sorcière. Et c'est dans quelle direction? C'est le milieu de la matinée, le soleil est là, alors... Le sud? Le sud-ouest? Bien. Sois prêt! Terre. Je peux pas les lire non plus. Mais elles sont différentes des autres. J'arrive toujours pas à les lire. Regarde, la magie de la sorcière recouvre encore les poteaux d'infamie. On va gagner du temps. Faites bien attention à vous dans cette réserve. Je ne voudrais surtout pas perdre mes meilleurs clients. Des loups! Oh, des boutons!
faire. Tu crois que je pourrais la porter maintenant? Non. À ton avis, qui a sculpté le visage sur la montagne? C'est moi qui devrais te poser cette question. Merci. Regarde où tu marches. La moindre imprudence pourrait nous ralentir. Oui. Nous revoilà bloqués par le souffle noir. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir si la sorcière disait vrai. Ça marche! Elle avait raison! Viens, il est temps d'en finir. Nous allons grimper. Tu sais, maman disait que les géants venaient souvent dans les montagnes de Midgard avant de disparaître. De disparaître? Oui, apparemment un jour ils sont tous partis, personne ne sait pourquoi. Peut-être sont-ils rentrés chez eux. À Jotunheim? Peut-être. Je me demande si ça pourrait être le visage d'un géant important. La bouche, on a réussi! Encore le souffle noir. Bienvenue ici. Est-ce que c'est un cerf? J'ai pas de souvenir d'histoire avec un géant à tête de cerf. Je me demande qui c'est. On peut pas traverser, mais il y a une vasque de sable. Bête sous le joug, ilote enchaînée ou arbre enraciné, nul ne répond à mon appel. Hmm.
Tu es avec moi ? J'étais comment ? C'était bien. Est-ce que c'est de la sève dans une grotte ? Bizarre. Oh, comment est-ce qu'il a atterri là-haut ? Cet endroit devait être très important aux yeux des géants. On dirait qu'ils nous testent. Oui, ça devrait marcher. Toujours rien. Le sol, Atreus. Ça veut rien dire. Il manque quelque chose. Des runes ! Je peux les lire maintenant ! C'est la réponse. Liberté. Mais oui, c'est ça. Vas-y. D'accord. Enlève ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, je pensais qu'un pont apparaîtrait. Le test des géants n'est pas terminé. Il y a un cristal dans le porte-flambeau. Je l'active. C'est mieux, non ? Il faut descendre avant de monter, on dirait. Ces passages paraissent bien petits pour des géants. Qu'est-ce qui te fait rire ? Oh, tu es sérieux ? Je suis toujours sérieux. J'avais oublié. Maman disait toujours que tu t'intéressais pas à l'histoire. Les géants sont une race comme les elfes et les uldres. Ça veut pas dire qu'ils sont grands. Et le serpent monde, alors ? C'est vrai, dans son cas, géant veut aussi dire grand. Mais il y en a qu'un comme lui.
On a terminé ici.
Atreus, un autre cristal. Regarde cet endroit. Il a l'air si... mort. J'allais dire ancien. Mais mort marche aussi. Comment tu savais que c'était là ?
dessus, on dirait. Oh, regarde tous ces corps. Atreus, avec moi! C'est bon, j'arrive! Dis-moi ce que tu vois. Eh bien, on dirait des hommes, pas des géants. Exact. Des voleurs en quête de trésors, tu vois les pièges? Ah oui, heureusement pour nous, ils les ont tous déclenchés. Heureusement, ceux-là sont bien morts. C'est Durafror, un des quatre serfs de l'Arbre-Monde.
Il est censé garder l'entrée de Jotunheim pendant que les géants dorment. Tu crois qu'il est encore là? Je ne sais pas. Atreus. J'ai déjà vu ce langage.